Alors ça se passe bien ? Ça tient. Pas ça trop tient. Dur ? Ça pique. Ça pique ? Capitier ou pas capitier ? C'est capitier en fait, mon bon top. J'en ai toutes belles. Toutes belles ? Mais c'est pour la bonne cause. Ouais. Ouais, ouais. Quelle cause ? J'en ai perdu une cette année à cause du cancer. Donc ouais. C'est ouais. Octobre rose, quoi. Ouais, ouais. Donc, ah ben c'est bien. Bon courage. Yes, yes, okay. Bien. Bien. Ah ouais, ça va. Bien, bien.
Cross. Yeah, man. Bonjour. Mais non, vous savez à quoi on en est? Aucune idée. Oh. On m'a téléporté, je sais pas où je suis. Ah. Et... On y a train d'air là. Allez, bougez. Gérez ça. Yeah, man. Yeah, salut. Ravito, non? Ouais. Non, c'est bon. Ok. Ok. C'est extraordinaire, Benoît. 20 km en moins d'une heure 30. Allez, 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 allez. Bravo Benoît, on te laisse respirer un petit peu et tu viens nous voir après. Ok? Merci. Félicitations, n'applaudissez pas Benoît Fourmont, vainqueur de la Rose en moins d'une heure trente.
Benoît, tu as décidé ta victoire. Comment tu as trouvé ce parcours? Et puis, qu'est-ce que tu penses de cette thématique de décidant la victoire? Tu étais sous la rose en moins de 1h30. Je ne sais pas si tu as gardé ton chrono en main. Non. Bon, tu l'as pas. Bon, alors, Benoît. Ben, je suis très content. Là, c'est un retour. Après 2 ans, j'étais en métropole. Je suis bientôt la chaleur pour l'instant, mais bon, ça, je vais m'y faire petit à petit. Puis là, je crois qu'il est très chaud pour tout le monde. Pour le parcours, je le trouvais absolument génial. Il est vraiment très très beau, mais il est très difficile. Alors, je l'avais fait il y a 2 ans sur le long, et je pensais qu'il serait un peu plus facile cette année, mais pas du tout. Mais par contre, il est très joli, donc je regrette vraiment pas d'être venu. D'accord. Bravo. Et qu'est-ce que tu penses de notre thématique? Qu'est-ce que ça te dit? On va dessiner la victoire sur attention du cadre d'une manifestation Octobre Rose. C'est facile. Après 2h30, ça fait un sujet de philo, mais non, je trouve ça bien d'avoir des thématiques. Voilà, là, vous en avez choisi une qui touche beaucoup de personnes et qui c'est vraiment bien de le faire, quoi. Et puis au moins, ça permet d'en parler. Et puis dans un cadre festif, où justement, souvent, c'est pas dans un cadre festif. Donc ça met. C'est sympa, quoi. C'est sympa. T'as pas ici, hein? Hein? T'as pas ici, là? Même pour bouger ici à pièce, où tu veux? Où est-ce l'autre côté? Le deuxième qui arrive, superbe, le 464, je te laisse respirer quelques minutes et tu reviens me voir. Félicitations. Tu as dessiné ta victoire, moins d'une heure trente ils sont extraordinaires. Je me demandais ce qu'était l'animal. Alors elle est superbe. Pour la deuxième fois que j'ai fait le parcours, mais sans inverse. La première fois j'avais terminé quatrième. Et là je me suis dit, il faut me mettre sur le podium au moins pour une fois pour honorer les maraudeurs. Surtout il y a un Bibi. Oui. Xavier, voilà, je le connais très bien, je vais le faire pour nous. Voilà. Et pour l'association des anciens. Bravo Jacob, formidable. Tu reviens nous voir, on va revenir, viens me voir 2 minutes. Ouais. On va demander à toi, tu as respiré, c'est bon? Non, c'est bon. On va dire 10 secondes et viens avec Jimmy. Alors, Jacob, alors, comment? Régine, on va prendre la photo, s'il te plaît. Le premier kilomètre, c'est là où le premier s'est détaché et ensuite, je monte une route. Merci à l'organisation, merci aux supporters et pour lui, ça a passé. Bravo à toi. Donc on a le podium, reste là. Benoît et Jacob, venez me voir. On a monsieur Alocha qui n'a pas encore vu qu'on a le podium.
Oui. Cambriade. Alors, pour tous ceux qui sont arrivés, tous les participants arrivés, nous avons de l'aquaplanage plus relaxation aquatique dans 20 minutes. Donc, rapprochez-vous du bassin. Pour tous ceux qui sont déjà arrivés, l'activité démarre dans 20 minutes. N'hésitez pas à y aller dès maintenant. Attention, oui. Je me suis bouché, je l'ai pas vu. Oui. Voilà, on est merci. Ça va. Allez. Oui. Allez, courage. Ça va. Ça dépend de ton choix dans le resto. Aïe. Eh ben, voilà. Voilà, c'est tombé. Eh bien, bon appétit, hein, papa, parce que. Où ça va? Aïe. Attention. On est la première qui arrive, elle est formidable. Eh bien, voilà, Elsa, qui nous fait le top 10, n'est-ce pas, Elsa? Je te laisse respirer. Félicitations. Ta médaille, je te laisse respirer. Et tu reviens me voir dans quelques minutes, suivi de Maxime. Elsa qui nous a explosé les choses, là, n'est-ce pas? Tu nous fais un top 10. Le coca, tout de suite. Tous ceux qui sont là, voilà. Très bonne. Bon, dame, goût. Bouka. Yeah. Allô. Bien, c'est Oni. Yeah. Merci des chefs d'organisateurs. Super sympa sur le. À chaque fois que je peux, de toute façon, pour faire des chemins pour prendre, ils ont toujours le sourire, donc c'est toujours agréable. Merci aussi pas aux participants, mais aux encourageurs et à ceux qui encouragent, et surtout, excellente course. Je préfère celle-ci à l'année dernière. Et non, c'est super. Franchement, c'est énorme ce qu'on fait. Et merci à vous, merci pour tout. Et pas bon, même. J'aime pas comprendre que le sponsor, mais arrêtez. Dis ça à Philippe. C'est Philippe, tu vois Philippe. Ah, c'est pour le bol, c'est bon. Mettez-vous notre aile, les gars. J'ai 21. Tu as 21? Ouais, j'ai 21, oui. Ah bon, sinon, je vais faire. C'était les deux derniers les plus durs. Mais tu as bien fait, bon, mais super. Ouais, mais c'est mon beau parcours, et merci à tous les bénévoles, c'était vraiment très sympa. Félicitations, tu restes avec nous. On va rester là pour pouvoir faire la photo finish. Félicitations, je vois qu'on a les trois femmes. Viens me voir, troisième femme. On a Anne. Je demande à performance Caroline de me confirmer si c'est bien la troisième femme. Bravo. Ouais. Oui, Léon. Il arrive. Non. Je m'attendais à Anthony Matin là-haut. Là, c'est quoi ce défilé là? Y'a rien à dire, y'a rien à raconter? Ah, allô? Ça, c'est apprécié son environnement.